Le secret des murmureurs, c'est l'histoire de scouts et de guides qui arrivent dans les Hautes-Pyrénées, où on est actuellement, et qui vont être confrontés à un mystère, c'est-à-dire que certains des nouveaux scouts et guides qui ont rejoint la troupe et la compagnie, ils ont un étrange pouvoir, c'est celui d'attirer les animaux, voire de les commander. Donc Edouard et Clémence, les deux héros, vont se demander pourquoi ce pouvoir, ils vont devoir enquêter, et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont se retrouver au milieu d'une étrange histoire qui mêle aussi les services secrets français. J'espère que ce roman vous plaira. Alors cette histoire, elle est partie d'une idée, c'était d'imaginer dans les montagnes des scouts qui couraient dans un grand jeu, et des guides aussi, et qui étaient accompagnés par des loups. Dans les Pyrénées, officiellement, il n'y a pas encore vraiment de loups, mais on se doute qu'il y en a beaucoup dans ces montagnes à errer de temps en temps, à faire des repérages. Et donc là, les loups vont participer au grand jeu. Et je trouvais cette idée bien. Et puis, d'une manière générale, j'ai essayé de dire dans ce roman pourquoi j'avais vraiment aimé être scout et pourquoi j'aimais partir camper. Et d'ailleurs, avec ma famille, on continue à venir à l'aventure dans les montagnes et ça nous plaît toujours autant.